Bonjour Ilia Lana. Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel opus, si je puis dire, suite à votre première interview exclusive. Il semblerait que vous ayez souhaité retenter l'expérience. Eh bien, oui, j'avoue avoir bien apprécié cette première expérience. Je me suis réécouté une fois l'enregistrement finalisé, et c'était affreux. Je fais des moins, moins, moins tout le temps, et je dis finalement tout le temps. C'était affreux, mais ça m'a bien plu. J'ai envie de continuer l'aventure. Et je suis certaine qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ce rapprochement que va permettre, j'espère, ces séries d'entretiens, et est très important lui aussi. Et je suis ravie de vous retrouver également. Donc nous sommes ici sur une formule beaucoup plus courte. Ce seront donc des vidéos de 5 à 10 minutes, enfin des enregistrements, des vidéos podcasts, répondant à des questions transmises par les gens qui auront écouté donc vos vidéos précédentes et qui auront eu envie de vous poser leurs propres questions, afin que vous puissiez y répondre de la même manière. Alors cette toute première vidéo courte, que nous avons donc intitulée « Les entrevues avec une Dvij », cette première vidéo est un test. On va voir comment on va pouvoir organiser tout ça de manière la plus vivante et la plus intéressante possible. Le nombre de questions qui nous est parvenu est quand même assez conséquent, hein. Il y a de quoi, à titre hebdomadaire, il y a de quoi tenir le rythme pendant une année. Hein, donc ça fait pas mal quand même de questions. Il n'est pas forcément facile de répondre à ces questions en un temps relativement bref. On va essayer de viser 5-10 minutes, hein, c'est la marge qu'on se donne. Maintenant, pour les sujets véritablement compliqués, et nécessitant comme des explications peut-être plus fournies, si jamais la vidéo dépasse, on présente par avance nos excuses conjointes à nos auditeurs, mais je pense que on doit privilégier quand même l'intérêt de cette réponse apportée plutôt que la bâcler pour rester dans le format. Enfin, on va essayer de s'en tenir à 10 minutes. Mm-hmm. Cette première vidéo sera peut-être un petit peu plus longue parce qu'il y a une mise en route et il y a la présentation du format. Et on discute un peu pour se lancer au départ. Pardon. Mais nous allons faire au mieux. Nous avons présélectionné des questions qui vous semblaient, qui ne sont pas forcément les premières arrivées, mais qui vous semblaient davantage pertinentes pour une toute première fois, une prise à chaud après la première vidéo, ou la deuxième plus exactement, donc la vidéo « La tempête vient ». Et je propose qu'on embraye immédiatement, afin de ne pas perdre trop de temps à ce sujet. Donc une question posée par Pierre Aimé, qui est donc celle-ci. Pourquoi jusqu'ici, il n'y a pas de signe physique des changements attendus ? Vous et moi, nous nous y attendions par contre à cette question. Alors, qu'avez-vous à répondre à ça? Alors oui, en effet. Je ne vais pas épiloguer sur vos propres propos d'introduction. C'est pas la peine de perdre du temps pour rien. Je vais m'en tenir à la question donc. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de signes physiques
des changements attendus. Ça, je dirais, ça, c'est une illusion. Il y a des signes physiques du changement attendu. Il y en a absolument partout. Le problème, c'est que les gens ne le savent pas forcément. On peut très difficilement, comment dire, créer un événement. Ça peut être n'importe quel événement, je ne parle pas forcément de nous, hein. Mais un événement sportif, un événement culturel, un événement de société, il y a mille manières d'organiser des choses que les gens sont susceptibles de connaître. Mais il n'y a pas énormément de moyens de le faire connaître. Je veux dire, aussi important soit l'événement, il y a toujours connaissance de cet événement parce que il y a eu une campagne d'information. Ça n'a l'air de rien, mais n'importe quel événement fait l'objet systématiquement d'une campagne d'information. On va dire campagne de publicité, campagne de promotion, tout ce que vous voulez, mais il y a toujours, obligatoirement, une campagne. Si nous n'organisons pas de campagne autour de ce qui se passe, eh bien, la plupart des gens qui ne sont pas pris dans cet événement, eux-mêmes, qui n'y assistent pas ou qui n'y participent pas, ne le sauront pas. Même en temps de guerre, une guerre mondiale, c'est quand même vaste, elle est mondiale, comme son nom l'indique, mais il y a systématiquement une campagne de propagande destinée à plus ou moins informer les gens de ce qui se passe, que ce soit vrai ou faux. En général, c'est faux, enfin bon, c'est scénarisé, mais tout est scénarisé dans ce monde. Donc le fait que ce que l'on fait et ce que l'on produit comme effet n'est pas perçu parce que il n'y a pas de campagne de promotion, d'information, de publicité ou de propagande par rapport à ce que l'on fait. C'est tout. Mais c'est parfaitement visible. Quand nous organiserons des événements qui seront qui concerneront tous les individus de ce monde, chacun ne pourra être témoin que de ce qui lui arrive ou arrive à son voisin ou à sa famille ou de manière proche, à portée de vue, hein, pas plus. À moins que les médias s'y attellent et opèrent ce relais, voilà, l'information en question. Alors, on peut dire pourquoi est-ce que les médias ne sont pas encore en route à ce niveau-là? Ben, ils le seront bientôt, mais pour l'instant, c'est une très lourde machine qui demande des réglages extrêmement fins et faire volte-face à quelque chose d'aussi énorme parce que c'est absolument mondial. La presse est tenue par 5 individus. 5. Uniquement tous les médias audiovisuels, écrits, tout ce qui est médiatique est tenu par 5 personnes. Donc, bon, elles en sont dépossédées aujourd'hui, officieusement, enfin, elles n'ont plus le contrôle. Et bien, il se trouve que pour faire volte-face à la machine que représente cette machinerie énorme que représente la presse, eh bien, il faut un temps relativement conséquent. C'est lourd. Une sœur à moi disait il n'y a pas si longtemps par rapport à cette question qu'on ne fait pas faire demi-tour à une barque comme on fait faire demi-tour à un destroyer. Ben là, en l'occurrence, c'est une flotte de destroyers, de bombardiers. Il faut faire demi-tour à tout ça. Je vous garantis que. Mais ça marche, hein. La Fox s'y est mise, CNN s'y met. Les grands, grands médias, surtout américains, sont en train d'obliquer leur trajectoire et ça vient. Donc, la seule raison pour laquelle il n'y a pas de possibilité de prise de connaissance à titre personnel de ce qui est en train d'être fait, mais simplement parce que
il n'y a pas de communication. Les gens ont tellement l'habitude d'être sollicités à ce niveau d'information, l'information pas forcément fiable, mais enfin peu importe, qu'ils ont l'impression que c'est naturel, qu'ils ont naturellement cette connaissance qui est là, bah, tout le monde le sait, oui, c'est normal. Mais en fait, non, ça n'a rien de normal. Et tout le monde ne sait pas tout en même temps ni de la même manière, mais une grande majorité le savent tout simplement parce que ils sont l'objet d'une campagne d'information, de désinformation, de promotion, de publicité, etc. Vous ne percevez même plus le cadre publicitaire, mais tout est publicisé, si je puis dire. Tout, 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 tout. Donc, c'est la seule raison qui donne cette illusion de ne pas savoir, ou plutôt qui donne cette illusion de savoir parfaitement lorsque cette campagne est réalisée. Alors, nous n'en sommes pas encore là. Mais au moins, nous avançons. Alors, c'est effectivement une question intéressante parce qu'on a toujours l'impression, effectivement, c'est vrai que on sait automatiquement ce qui se passe. Oui, à notre époque, on sait. Oui, mais on sait. Mais effectivement, c'est peut-être rarement demandé pourquoi on savait. On reçoit l'information, mais on ne fait plus attention à la forme sous laquelle elle est diffusée et l'intention qu'il y a derrière. Ouais, bon, c'est une bonne question pour le coup, hein. Parce que c'est vrai que. Genre, cette impression qu'il ne se passe rien, qu'on ne voit rien, mais on n'a pas la vue sur la planète entière, hein, si un média ne fait pas le relais, effectivement. Pierre-Aimé, alors, nous avons laissé le choix de poser deux questions, questions ou suggestions. La suggestion de Pierre-Aimé est la suivante, notre implication, la suggestion de thème, je précise. Notre implication concrète dans la société du nouveau paradigme. Vous en pensez quoi de cette question? Eh bien là, je pense que la question elle est énorme et que je ne me vois pas répondre à quelque chose d'aussi vaste en 5 ou même 10 minutes, voire même un quart d'heure. Franchement, ça m'étonnerait. L'implication concrète dans la société du nouveau paradigme. Je suggérerais qu'on consacre peut-être la prochaine vidéo, pourquoi pas, à ce sujet qui risque de déborder un petit peu, parce que je pense que c'est un sujet qui mérite d'être préparé un petit peu aussi. C'est quand même extrêmement vaste. Mais c'est intéressant, intéressant. En tout cas, je crois qu'on est déjà arrivé. Alors c'est fou parce que c'est rapide, hein, quand même. Ah oui, là on ne fait pas de réponse de 17 minutes de long. Hein. C'est vrai que comme ça a été fait dans la vidéo précédente, pour le coup, on est tenu quand même à beaucoup plus court. Alors, je précise, parce qu'on arrive déjà à la fin, effectivement. Et moi aussi je dis effectivement, finalement, etc. Nous avons convenu que le rythme hebdomadaire n'était peut-être pas forcément le meilleur, nous allons essayer de travailler de manière à pouvoir fournir au moins un minima, je ne sais pas si on pourra plus, mais un minima deux vidéos podcast par semaine. Ça donnera un rythme intéressant et je pense que ça permettra enfin, d'écouler plus de réponses parce qu'il en arrive encore régulièrement. Ilyana, je vous remercie de votre présence. Je vous dis et bientôt, bientôt pour la prochaine. Merci à vous, merci beaucoup, merci à tous ceux qui ont souhaité donner une chance à ce nouveau format de vidéo. Et bien à la toute prochaine fois. Merci beaucoup. À bientôt.